Étudiant-étudiante, je poursuis donc la résolution des exercices relatifs au calcul d'intégrale. Intégrale. Alors, ceci, je peux le transformer combien? Est égal à l'intégrale de 1 demi de 2x moins 2 plus 4. X2 moins 2x moins 5. Donc vous voyez, je décompose l'intégrale en deux intégrales. Je vais avoir donc 1 demi l'intégrale de 2x moins 2 dx. X2 moins 2x moins 5 plus 4 intégrale de dx sur x2 moins 2x moins 5. X2 moins 2x moins 5. C'est un trinôme que je peux mettre en facteur. Je peux produire donc, je peux le mettre en un produit de deux facteurs. C'est quoi? Égal x2 moins 2x plus 1 moins 1 moins 5. Ça va faire c'est x moins 1 au carré moins 6. Donc x moins 1 au carré moins 6. Je le remplace dans la seconde. Dans la seconde intégrale, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 4 intégrale de dx, x moins 1 au carré, moins 6. Et on sait que l'intégrale de x plus a2, a2 moins x2 égale 1 sur 2a logarithme éparien de a plus x sur a moins x. Alors, je vais remplacer 4. Dans notre cas, 1 sur a, c'est 1 sur racine de 1.
1 sur 2, ça donc 1 sur 2 racine de 6, logarithme népérien de racine de 6. Racine de 6 moins x moins 1 sur racine de 6 plus x moins 1. Je vais le remplacer donc. Qu'est-ce que je donne? Et la première, alors 1 demi de 2x moins 2 dx sur x2 moins 2x moins 5, c'est 1 demi de du sur u. Et ça, ça fait 1 demi de log népérien de u. Donc le tout, ça va donner x plus 3 dx, x2 moins 2x moins 5, égale 1 demi de log népérien de u, plus 2 sur racine de 6, log népérien de racine 6 moins x moins 1 sur racine de 6 plus x moins 1 plus c, s'agissant donc d'une intégrale indéfinie. L'autre intégrale, c'est l'intégrale de 5x plus 3 divisé par 2 plus 4x plus 10. Voilà. Je vais la décomposer donc. Je vais la déposer en 5 demi de 2x plus 4 moins 7. On a fait x2 plus 4x plus 10 ça donne 5 demi l'intégrale de 2x plus 4 dx. Il ne faut pas oublier ici, c'est dx. Hein? Voilà. Et ici aussi. Alors, sur x2 plus 4x plus 10, moins 7 intégrale de dx sur
x2 plus 4x plus 10. Je continue. La première. La première, je prends comme changement de variable x égale x2 plus 4x plus 10. Donc, du égale 2x plus 4. Dx. La deuxième, je prends v égale x plus 2. Voilà. Donc dv égale dx. Pourquoi? Parce que si je décompose x2 plus 4x plus 10, ça donne x plus 4x plus 4 moins 4 plus 10. Et ça, c'est x plus 4 plus 2 au carré. Il reste ici plus 6. Donc ça donne x plus 2 au carré plus 6. Je remplace. Je remplace, ça me fait donc 5 demi de log népérien de U moins 7 dv sur U2 plus 6 égale 5 demi de log népérien de U, c'est x2 plus 4x plus 10 moins 7 de log népérien de x plus 2 plus x2 plus 4x plus 10 en valeur absolue plus c. J'ai terminé. Voilà le résultat. Donc, voilà le résultat. Donc, 5x plus 3 dx sur racine carrée de x2 plus 4x plus 10. Je vous remercie de votre attention. Parce qu'on sait, il ne faut pas l'oublier, on sait que dv sur u2 plus 6, c'est plus 6 sur logarithme de u plus racine de u2 plus 6. Voilà. V, V.